Yo les amis, c'est Vakar, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Hogwarts Legacy. Et comme je disais sur mon Twitter, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre, le lien est dans la description, n'hésitez pas, on est un peu plus de 300. Je disais que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans un jeu, en me levant le matin, franchement. Je pense que c'était depuis quand même God of War Ragnarok. Il est excellent et il donne vraiment envie de le vivre à fond, de le faire à 100%, etc. C'est un très très bon jeu et j'adore, je trouve qu'il est hyper immersif. On continue donc la quête principale et on est au beau milieu du cimetière de Pré-Hollard, pas loin d'un club de fantômes, le club des chasseurs sans tête. Malheureusement, le pauvre Nick quasi sans tête qu'on avait connu dans la saga Harry Potter ne peut pas rejoindre ce club puisque il a encore sa tête, sauf qu'elle est raccrochée par un tout petit morceau, le pauvre, il ne pourra jamais rejoindre ce club. Bref, Nick nous aide à retrouver les pages manquantes du grimoire magique qu'on avait retrouvé. Et c'est un autre fantôme, visiblement, qui est au courant de ça. Le problème, c'est que les autres copains de ce fantôme sont en train de jouer avec sa tête. Donc le but, là, ça va être de trouver le match du club des chasseurs sans tête. C'est assez rigolo. Avant de commencer, les amis, je vous laisse jeter un sort de Revelio sur le bouton like pour soutenir la chaîne. Et on y va. Le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles. Sir Nestor Hamsett. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicholas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles, qu'en dites-vous? C'est de la triche. Pourquoi utilisez-vous la tête de Shuka pour ce jeu? Eh bien, puisque vous le demandez, Shuka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Ah d'accord, c'est un bizutage quoi. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles? Trouvez sa tête 5 fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que cela. C'est très clair. Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'aimions pas la manière dont le comté était géré. Alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Oui, c'est ça. Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. Ah, tout faire exploser, ça je connais. La partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. D'accord, j'ai bien compris. Ok. Allez! Donc, allez, faut trouver la tête de Shuka parmi des citrouilles. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Ouh! Mort. Peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Richard Shuka. Wow, c'est lui, là? Non. Ok, de toute façon, il est caché parmi toutes les citrouilles, donc faut toutes les éclater. Ah, regardez, elle bouge. Il est là-bas. Ah, yeah. Regarde-le. Ouais, va te cacher. Ouais. Je vais te trouver, mon gars. Ah, il est parti là-bas. Il est par là. Ah, j'étais sûr qu'il était là. J'ai vu son fantôme passer par là, mais... Ah, ça y est, il était là. 3 sur 5. Merde, je l'ai pas suivi par contre. Ok, j'ai... Voilà, je fais un peu au hasard parce que j'ai... Ah, c'est pas celle-ci là? Il y en a une qui a bougé. Ah oh là, le petit malin, il s'est bien caché. Ah, elle est là. Regardez, elle bouge. Là, y est. 4 fois. Où est-ce qu'il va aller? Il n'y en a plus pour longtemps. Tu vas le trouver. Je vais le trouver, t'inquiète pas. Il suffit de surveiller. Ah, regarde, il est là. C'est lui, non? Normalement, il a... Ah, voilà. Ah. Ah, elle est là.
Eh oui, je t'ai trouvé. Bon travail. Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais... Un petit peu. Tout de même que des félicitations sont de mise. Eh bah oui. Félicite-moi. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Ah, il est jeune. Très joli. Le pauvre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot « cadavre ». Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Oh! Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mmh. Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise? J'avoue, ne me dis pas tout, mais déjà tu m'as dit forêt interdite, ça m'intéresse. Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais, wow. Si soudain que la tête m'en a tourné. Oh. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. D'accord. Donc on peut potentiellement perdre la tête. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'il saccageait la bibliothèque. Ah. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Ok. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Oh les amis, la forêt interdite. Ça c'est stylé. Donc quête terminée, la chasse aux pages manquantes. Les pages seraient donc dans une grotte, sauf que c'est là où le fantôme s'est fait décapiter, rien que ça. Ça fait peur, et c'est très stylé. Alors, du coup, est-ce qu'on a la... Je dois apprendre le sortilège de désarmement avant de suivre le fantôme de Richard Shukas dans la forêt interdite. D'accord. Le sort de désarmement, il me semble que c'est la professeure Hecat, professeure de défense contre les forces du mal... Si on regarde dans les quêtes, en fait, si on regarde les devoirs du professeur Hecat, quant à l'endroit où je pourrais effectuer ces tâches, ma carte ne me semble d'aucune aide. Il va falloir que j'explore. Et bah écoutez, moi ça me va très bien d'explorer. J'ai une petite idée, puisque en fait, quand on était allé au hameau, je crois que c'était là, on nous avait parlé d'une sorcière, je crois. Qui se trouvait je sais plus où et qu'on pouvait déloger épreuve de Merlin. Donc on va aller, vous savez quoi, on va aller là à Campolar, voilà, et je pense qu'on va essayer de trouver cette sorcière ou ce mage noir, je sais plus trop. Je me demande qui y vit. Hop, je crois que c'était ce monsieur là-bas qui nous avait renseigné là-dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Les ruines de Koro. Il va falloir qu'on trouve. Donc c'était pas ça qu'il nous avait dit la première fois. Ça veut dire que c'est cool parce que ça veut dire que les rumeurs changent au fur et à mesure du temps. Il nous avait parlé d'une sorcière, mais bon. On va... vous savez quoi? On va avancer. On va explorer un petit peu.
Et je pense qu'on va tomber sur des... On va tomber sur des choses. Tac, tac. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, de l'argent. On peut peut-être sortir un peu des sentiers battus. Regardez là-bas, il y a de la lumière, on va aller voir ça. C'est trop bien de sortir en pleine nuit comme ça. Un château. Oh. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Un chien niveau 14? Oui, mais seuls les moldus peuvent attraper ces... Ah, maladies. Voilà, braconneur pisteur. Voilà donc ah, mais c'est un boss. Wow. Action. Un genre de boss. Faut que j'esquive, donc il faut en profiter, hein. Hop là. C'est bon, on a fait les esquives, les amis. Non, c'est pas un boss, mais disons que, voilà. Vaincre des mages noirs, super. Un braconnier de loin dans le monde des sorciers. Yes, donc lui c'était un braconnier en fait. Ah bah, on n'a pas mis longtemps à trouver quelque chose à faire, c'est cool. On va utiliser le sort de Revelio pour voir. Je pense qu'il y a des trucs à récupérer dans le coin. Par exemple ça. Axio. Viens là toi, on libère le passage. Voilà. Bonjour petit coffre. Écharpe par ailleurs multicolore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre Lumos comme... Mince, hop. Voilà. Lumos. Voilà, on verra un petit peu mieux. Là-bas, il y a des coffres. Ah, je peux pas l'ouvrir? Ah, c'est pas par là qu'on passe. Oh, une grosse toile d'araignée, là. Je peux l'enflammer? Oh, je l'ai enflammé. Incendio. Qu'est-ce que c'est? Oh! What? Oh, c'est quoi ça? Action. Wow, wow, wow. Matriarche épineuse. Action. Incendio. Elle aime pas le feu. Isha. Ah, elle aime pas le feu, hein. Ah, je me suis fait entoiler. Action. C'est bon. Waouh. Mais oh, c'était quoi cette araignée? Je me suis fait peur. On a récupéré un croc d'araignée. Ouh. Eh, c'est dangereux ici. Pourtant, on n'est pas dans la forêt interdite, mais... Oh, il y a de la lumière là-haut. Regardez, les amis. Ouh, ça me donne envie d'y aller. On récupère ces petits cristaux. Mais je suis sûr qu'on peut monter. Lumos. On va faire un petit... Incendio. Ah ouais, mais c'est dangereux où on est là. C'est bon. Lumos. Tout va bien, tout va bien. Vous avez vu cette grosse araignée qu'on a affrontée là? C'est trop stylé. Est-ce que je peux monter à l'échelle ou quoi? Ah non, pas du tout. Je suis sûr qu'il y a un moyen de monter. Mais comment? Peut-être par là-bas. Regardez, on dirait qu'il y a un... Revelio. Je pense qu'on peut... Déjà, comment choper ce petit coffre? On a vraiment bien fait de venir dans cette ruine. Hein. Revelio. Ah non, il est derrière tout ça en fait, ok. Je pense qu'on peut monter par là, je sais pas trop. Ah oui, sur la caisse, bien vu. Yes, Assassin's Creed. Idiot Auditore, ok, on a réussi à monter les gars, trop bien. Incendio. Waouh, c'est trop cool. Je sais pas ce qu'on fait tomber, mais on fait tomber des trucs. Et donc c'était ça. Pour 11 pièces, c'est tout. Revelio.
T'es sérieux? On a juste fait ça pour 11 pièces? Ok. Je peux faire tomber l'échelle ou pas? Ah ouais. Je peux descendre par là, d'accord. Je pensais au moins qu'on avait trouvé un truc de collection, tu vois, je sais pas trop. Quelque chose de cool. Bon, en tout cas, on a maintenant suffisamment de... Wow. Oh, amis. Non, j'ai fait une dinguerie. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Ouh là 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 là, je me suis bloqué. Je me suis bloqué, les gars. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, j'ai bugué le jeu. On va éviter d'y retourner. Mais en fait, ce qui me... Réveillon. Ce qui me stresse, c'est que je peux... Je sais pas comment je peux récupérer ce coffre. Réparo. En fait, je pense que c'est derrière ce mur, mais peut-être qu'il me manque un... Tu vois, peut-être qu'il me manque un sort pour, je sais pas, peut-être... Action. Déplacer ou métamorphoser le truc, tu vois, je sais pas. Bon, en tout cas, je reviendrai ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour assister au cours de défense contre les forces du mal pendant la journée. Donc on va retourner au château, voir le professeur Hecate et apprendre un nouveau sort, les amis. C'est parti. Allez, on est devant la salle de défense contre les forces du mal. C'est parti pour notre nouveau cours. Ils commencent à tous gérer, hein. Le cours est fini. Mais nous devons apprendre un nouveau sort. Juste pour nous. Professeur ? J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. J'ai fait tous mes devoirs, comme il faut. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Incroyable. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. C'est parti. Expelliarmus. Waouh. Ça, c'est vraiment un sort mythique quand même, Expelliarmus. Bon travail. Yes. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Ah, on va tester, on va tester. Devoir du professeur Hecate 2. Le sortilège Expelliarmus permet de désarmer les ennemis équipés de baguettes ou d'autres armes. Les différents types d'ennemis réagissent différemment lorsqu'ils sont désarmés. Ok, cool. Alors, il est où Expelliarmus? Il est là. On va le mettre sur Réparo, tiens. Expelliarmus, boum. Vous avez l'air de progresser, mais... Action. Je pense qu'on est prêt, les amis, à aller dans la grotte. Alors. En route pour de nouvelles aventures ? Exactement, j'aurais pas dit mieux. Donc. Je crois qu'il y a. Je crois qu'on ne suit aucune quête, donc il faut juste aller la sélectionner dans le menu quête. Le repos de Richard Choucas. Retrouver Richard près de la forêt interdite. On va faire un petit tour sur les équipements d'abord, non, sur les défis d'abord, pour voir si on n'a pas des petites choses à récupérer. Oui, par exemple, en combat. Oh, vaincre 10 mages noirs, cap de protecteur en peau de dragon. Oh, oh, il m'en manque encore un petit peu. Exploration, ok, reine spéciale, mais en fait, je crois que c'est, j'ai rien à récupérer hein, pour le moment. Donc, on va aller directement dans l'équipement. Je crois qu'au niveau de ça, j'ai... Ah, si, j'ai celle-ci. Ces gants-là, ok, qui sont très stylés. 38 en défense. Au niveau des lunettes, rien de mieux que ce que j'ai. Le chapeau, ah bah si, j'ai ça. Un petit chapeau comme ça, ça vous dit? Non, jamais de la vie. Hop, on le met comme ça. Ici, l'écharpe. Oh bah, elle a rien de spécial en fait. Donc on va garder celle que j'ai. Cap et tenue. Oh, ce petit manteau. Hey, il est rigolo ce manteau d'empêche, il est pas si dégueu que ça, hein, en vrai. Et un ensemble, il est mieux aussi. Ok, par contre,
Oh, le style est... Ça change un petit peu, on va dire, ça change un petit peu. Manche de baguette. Oh. Il est stylé, celui-là. Allez, on va prendre celui-là. D'ailleurs, je me demandais s'il y avait des effets. Non, il n'y a pas d'effet particulier, c'est juste de l'esthétique. On est pas mal comme ça. On a un petit style. Hein. Franchement, pour aller dans la forêt interdite. Ok, c'est parti les amis. Direction la forêt interdite. Let's go. Je pense qu'on peut y aller peut-être... je sais pas si on y va à pied. Ça fait peut-être un peu loin. Je sais pas, on peut peut-être se... Je sais pas, on va sortir du château déjà, on va voir. Soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait. Par là. C'était ces deux statues qui se sont battues comme des oufs là, comment ça m'avait fait trop rigoler. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Cette armure appartenait à Sir Scrabblethorpe, l'insouciant qui fait erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Et il s'est pris du coup un, un truc sur la tronche. 17 pages. Oh là là, mec. Oh là, c'est trop beau. 17 pages sur 25. C'est trop beau, les amis, quand on sort comme ça là. J'imaginais pas le. Le. Comment ça s'appelle? Le parc là de Quidditch aussi près du château en fait. Je pensais qu'il était un petit peu plus loin. Mais en fait il est assez près. Hein. Alors c'est par là. En plus tu vois, comme on se téléporte pas, on profite du paysage qui est sublime. Magnifique. La forêt interdite. Et oui, c'est par là. On est, quand on était sorti une première fois avec Nati en direction de Préolard, je crois qu'il y avait des ennemis là. C'est des mages noirs. Les amis, on peut pas les laisser faire. Vous entendez? Braconneur de pisteur. Par là-bas, toi, qu'est-ce que c'est donc toi qui oh. Détermine quel est. Allez. Boum. Incendio. Viens à toi. Tu vas te prendre des caisses. Il est où? Action. Incendio. Leclosso. Bim! Et 9 mages noirs sur 10 de vaincus. C'est fini pour toi. Vous allez arrêter de braconner des animaux fantastiques là. J'adore les animaux fantastiques donc vous allez vous calmer les gars. Je ne vous laisserai pas faire tant que je serai dans cette école. C'est rigolo parce que... Quoi? Il en reste un? Ah, il est là-haut. Viens là. Il est tout là-haut. Ah, il est là-haut, mais attendez. Attendez, on va pas le laisser comme ça. Lui, c'est le dernier de son équipe. Il est où? Il est là. Oh, il a fait un protégo. Incendio, il faut vraiment être... Oh! Faut vraiment être proche. Oh, 10 sur 10. Bah oui, merveilleux. Comme ça, on a fait le défi. Défi réussi, vaincre des mages noirs. Et on peut récupérer du coup ce petit coffre. Vous m'excuserez pour cette petite escapade non prévue. Mais on pouvait pas les laisser faire les amis. Allez on y va, cette fois-ci direction la forêt interdite. Il faut qu'on retrouve ces pages. C'est stylé ici. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ah, les épreuves de Merlin. Attendez les amis, on est devant, on va pas laisser. Je suis désolé. Donc normalement il y a des... À mon avis c'est un rapport avec ça.
faut peut-être les... Non. Oh. Je pense qu'il faut toutes les... Les péter. Oh mais il y en a plein. Il y en a jusqu'à là-bas. Oh mon dieu. Je vais être trop lent. Je sais pas si y a un... Allez monte. Je sais pas s'il y a un délai. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Hein. Non? Je les ai tous cassés là. Ah non, il y en a une là-bas. Je viens de la voir. Il y en avait une derrière. Ok, je crois pas qu'il y a un délai en plus. Je crois qu'on peut juste le faire. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Pas du tout. Il doit y en avoir d'autres, mais je sais pas où elles sont. Les boules. Les boules. Ah, bah elle est là, mais. Je suis aveugle. Oh! Ça y est. On a réussi l'épreuve, les amis. L'épreuve de Merlin. Elle était sur notre chemin, franchement. Et puis, comme ça, ça permet de voir aussi d'autres choses du jeu. C'est important. J'ai pas du tout envie de rusher la quête principale. Donc. Rebellion. Donc voilà, on y va. Qui a dit que le crime ne payait pas ? Des mages. Je nage dans un océan de cailloux. Ah, mais ils attaquent des créatures. Ils sont vraiment méchants. Tu veux finir de commencer ? Allez, je t'ai stupéfixe, mon gars. Action. Incendio. Ah, j'ai pas essayé l'expert l'armure. C'est vrai ça. Je vais l'essayer tout de suite. Il est où ? Wow, vaincre des fangieux, ok. Ok, ah ouais c'est violent. En plus il a fait tomber quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Langue de fangieux. En fait c'était un genre de monstre qu'ils attaquaient. Et je l'ai fini par le tuer, c'est assez ouf. Donc en fait moi aussi je suis un braconnier ou c'est comment du coup? Bon on s'en fout, de toute façon c'était des mages noirs. J'arrive pas à monter. C'était des mages noirs, fallait les tuer les amis. Hop là, allez, on se rapproche. Doucement mais sûrement, mais on se rapproche. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un campement de mages noirs ici. Regardez sur la carte en bas à gauche. Ouais, on dirait. Hein. Expelliarmus. Elle est où elle? Wow! Animagus loup? Elle s'est transformée en loup? Yes! Wow! Braconnier Animagus. Oh! Maintenant elle est. Elle s'était transformée en loup et maintenant. C'est bon, elle est morte. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Waouh! Ah ouais, ils sont chauds, hein! Elle s'est transformée en loup. Normal. Et en plus, après, une fois qu'on l'avait vaincu en loup, et il restait. Elle a tué en tant que sorcier, quoi. En tout cas, on a récupéré un beau coffre. Et du coup, en bas à gauche sur la carte, il y a une petite coche, ça veut dire qu'on a. On a réussi le campement, enfin on a cliné le camp quoi. Ah, j'ai essayé de tirer dessus mais c'était pas la peine. Là il y a une grotte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voulez qu'on rentre? Regardez ça de plus près. Vous voulez qu'on rentre dans la grotte les amis? Je sais que c'était pas du tout prévu, je suis désolé. Mais franchement, c'est hyper mystérieux quoi. Qu'est-ce que c'est? Lumos. Qu'est-ce que c'est? On plonge? Allez, on plonge. Plonger. Ça fait peur.
Wow. Je suis carrément rentré dans une... dans une autre caverne. Qu'est-ce que c'est? Lunettes œil de dragon à monture d'or. Wow. Ok. C'est normal. Ok. Équipement. C'est ça qu'on a récupéré? C'est ultra moche. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est ultra moche. On va pas se mentir. Hein. Oh. Petite cape. Oh, elle est jolie. Elle est dorée comme ça. Bon, écoute. Vas-y. On la met. On la met, on la met. Ok, c'est bon. Ah, c'était cool. J'adore. Et je me dis, il doit y avoir plein d'endroits comme ça qu'on peut explorer, tu vois. J'ai fait un petit cut. Excusez-moi, parce que j'ai entendu un énorme boom. En fait, c'est ma fille qui est montée sur une chaise haute, debout, et la chaise est tombée. Donc, on a eu assez peur. Mais tout va bien. du coup, je suis un peu perturbé. Oui, c'est bon. Je crois que ça va plus de peur que de mal, heureusement. Les enfants, c'est un délire, hein. Franchement. Ils te font des trucs que jamais t'imagines, en fait. Donc, on est de retour sur le chemin. Cette fois-ci, on y est presque. Après avoir été interrompu tout ce temps par des mages noirs et autres méchants. Revelio. Oh. En même temps, tu vois, c'est tellement tentant de tout récupérer dans le jeu. C'est ça le problème. Tenue ténébreuse, yes. Oh oh. Ok, donc on arrive devant la forêt interdite. Elle est interdite, c'est pas pour rien. On se rappelle tous Harry Potter et ses amis. Lorsqu'ils voilà, y vont. Comme je l'avais promis. Ah, bonjour. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Bravo. Alors. Lumos. On va faire un petit lumos, à les part amis. Le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. D'accord, un pont en pierre, une cascade, un lac, un bain d'oiseau. Surprenant. Et malheureux. Oh. À quel point ces souvenirs me reviennent. Revelio. C'est normal les symboles d'araignée là. Lumos. Oui. Est de la région nord de Poudlard. Plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. D'accord. Adieu. Ou au revoir. Bon bah j'espère qu'on va pas finir comme toi. Wow. Wow. Niveau 20, les plantes et potions de combat peuvent vous donner un avantage. Ok. On va envoyer un chou mordeur de Chine. Waouh, mais elles sont niveau 20 quand même, hein. C'est bon. Je crois qu'elles sont vraiment sensibles. Oh! Bim! Waouh! Wouh! Je l'ai loupé. C'est bon, elle est morte. Ah, il faut vraiment que je sois très proche quand je fais le incendio, sinon ça marche pas. Je crois que c'est bon. Waouh, hey, c'était un combat. Quand j'ai vu niveau 20, j'étais pas serein là.
Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On s'en est sorti. Tant bien que mal, mais on s'en est sorti. Incendio. Ça, on le crame. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme potion ? Potion Edurus, une potion qui augmente la défense de celui qui la boit. Ok. Nous, on est niveau 15, donc effectivement, il y a quand même un assez gros gain de niveau. C'est des mages là-haut ? Ah, je peux pas monter, toi. Ça. Ah, si, je peux monter. Braconnier pisteur. Ok, un de moins. Action. Incendio. Oh. Allez, magie ancienne. Wouh. C'est bon. Tout va bien. Dommage, t'es une serrure niveau 1, on aurait pu libérer ce petit oiseau pris au pied. Lumos. Ce petit animal, on va dire, parce que je connais pas le nom, on dirait. Ah si, vous savez, c'est celui qui a un bec comme ça là. C'est le pote dans les animaux fantastiques, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, c'est ça. Allez, on descend. Mais du coup, pourquoi il y avait un symbole d'araignée là? J'ai pas compris. Revelio. C'est quelque chose qu'on peut détruire ou c'est juste pour dire que c'est un... C'est juste pour dire que c'est un nid d'araignée, je pense, peut-être. Incendio. Ouais, de toute façon, on peut pas faire plus que ça, quoi. On y va. L'objectif, c'est de trouver la grotte dans laquelle voilà la cascade. Il est mort. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Lumos. La cascade, effectivement, est là. Et je me demande, du coup, s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. On dirait que si, regardez. On va aller voir. Vos emplacements sont pleins. Oh, mais c'est tellement chiant ça d'avoir des emplacements pleins. Il faut que vraiment mon inventaire il s'augmente là. Bon, je vais détruire celle-ci, tant pis. Hop. Ça m'apprendra à être plein. En fait, on est plein vraiment vite quoi. Terminez des défis et des épreuves de Marlin pour augmenter votre nombre d'inventaire, hein, je crois. Hein. Donc, du coup, c'est les épreuves de Merlin. On les fera, les amis, on les fera. Sauf que pour une fois qu'on est dans la forêt interdite, j'aurais bien aimé quand même avoir suffisamment de place pour récupérer tout ce qu'on peut trouver ici. Qu'est-ce que c'est ici là? Qu'est-ce qui se passe? Collection mise à jour Boursouf. Ils sont trop mignons! Ils sont trop choux! Et on peut faire quoi avec eux du coup? Peut-être qu'après on peut les prendre et vous savez. Il y a une salle sur demande dans le jeu, on l'a pas encore eu. Wow. C'est vrai qu'il y a les centaures. Mais ils sont gentils les centaures les amis, c'est trop stylé. Lumos. Ils nous attaquent pas. Waouh. Trop bien. C'est vrai qu'il y a les centaures. Waouh, on dirait pas le lac où Harry Potter il a son patronus. Franchement. Elle est magique cette forêt, hein. Franchement je trouve qu'ils l'ont trop bien refaite. Qu'est-ce que c'est ici? Action. Incendio. Ouais, les animaux vraiment ils aiment pas le feu. Hein. Ça c'est sûr. Lumos. Ah bah c'est une épreuve de Merlin justement. On en a besoin pour augmenter la taille de notre inventaire. Du coup, c'est quoi l'épreuve là? Il faut allumer les feux peut-être. Incendio. Ouais. Ah, mais du coup, là, c'est de la rapidité. Faut trouver tous les piliers. Après, ils sont à quelle distance les uns des autres? C'est ça la question. Donc là, c'est trop tard. Ah, vous êtes trop. Ah, ok, d'accord. On s'éloigne trop loin. On peut pas faire le.
On peut pas faire... On n'est pas vraiment là en liberté totale comme on est en plein dans une mission. Ah, il y en avait un autre ici. Ah. Il y a peut-être moyen qu'on... Non, tu vois, dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est mort. Je suis sûr que c'est le lac où Harry trouve son Patronus. Où il voit ses parents d'ailleurs. Il trop mignon. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les c'est cerfs vrai. Sont si majestueux. Je suis bien d'accord avec toi. C'est trop beau. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Revelio. Oh. Chuchoter le mot de passe, ok. On y est les amis. Incendio. Revelio. Allez, on va chuchoter le mot de passe qu'il nous a dit en latin grec là. Waouh. C'est beaucoup trop classe. Waouh. Oh là là, comment c'est stylé. Tu serais pas un peu loin de chez toi. Merde. Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Des fidèles de Ranrock. Au. Incendio. Action. Les vieux sauvent. Incendio. Bim. Action. Les vieux sauvent. C'est bon. Non. Waouh. Ah oui, il y a des magies de ouf ou quoi. Boum. Ok. Il y a un défi de vaincre. Plus de prévenir Ranrock maintenant. 30 gobelins. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Bon. Putain, on dirait qu'ils m'ont suivi pour trouver la l'entrée de la... du tombeau. Tombeau de Shuka. On y va. Shuka, Shuka. C'est stylé. Je me demande à quel point c'est grand. Je sais pas, mais c'est très stylé. Jus de orc gloop. Gloop gloop. Waouh. Houhou. Ok, donc je pense qu'on doit aller jusqu'à là-bas. Ces runes doivent avoir un rapport avec l'ouverture de la porte. Ça va pas être si simple. Ok, on a réussi le défi. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Magnifique ce pont. Trop classe. On y va. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Revelio. Je me demande si les sorts pourraient m'aider à passer. Bien sûr. Oh, il y a des araignées, regardez. Action. Incendio. Levioso. Protego. Action. Hop les. Au. Action. Ouh. Incendio. J'aurais dû le garder pour tout à l'heure, mais c'est pas grave. Wow, c'est grand. Hein. Attends, on peut. Qu'est-ce que tu fais? On peut continuer par là, mais on peut aussi. Explorer ici. Oh. Quel est cet endroit? Pas question de toucher à ça. Stupéfix. Ah mais là, on est tombé dans un nid là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Wow. Wow, wow, wow. Protego, stupéfique.
Incendio. Action. Stupéfix, Levioso. Action. Incendio. Stupéfix. Oh là là, les enchantements de sorts sont tellement stylés. C'est bon ? Ah non. Ouh. Et bah dis donc, on s'est plutôt bien débrouillé dans ce nid d'araignée là. Rebellion. Réaliser des exploits de duel. Bah ouais, c'est vrai qu'on a plutôt bien géré là. Ça je sais pas, je peux le faire tomber mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Ça... Tu lootes rien en fait. Ok, tout ça pour ce coffre. Ça valait sûrement le coup, j'espère. Vos emplacements d'équipement sont pleins, mais c'est pas possible, mon dieu, c'est l'enfer. Faut que j'aille tout vendre, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, je sais pas si j'ai pu ouvrir le coffre, en fait, parce que j'ai vidé mon inventaire, mais après, c'était... Rebellion. Bon, je l'ai sûrement récupéré, j'espère. Hop, on récupère ça. Croc d'araignée. Dégoûtant. Oh, c'est stylé. Action. Cette plateforme doit pouvoir flotter jusqu'à moi. Ben oui. Ah. Oh. Comment c'est trop bien la magie ancienne comme ça là. C'est bon les gars, tout va bien. Action. Du coup c'est cool mais... Rebellion. Comment je fais après pour... Action. Ah. C'est comme un aimant en fait. Trop bien. Non mais là ça va être chiant parce que... Je me réjouis que Richard Schuka ait laissé derrière lui une lunette à monture. Pour moi. Mais où est-il? Je m'étais... Rebellio. Je me suis dit vraiment tous les objets je vais pas pouvoir les prendre parce que je suis plein quoi. Tu vois. Ah là il y a des plantes par contre. Et les plantes c'est... Très important quand on devra faire après des potions. Feuille de dictam, à mon avis quand même. C'est quoi ce genre de flamme? Lumos. Rebellio. Je me dis elles sont un peu space ces flammes tu vois, mais je me demande si elles gardent pas un secret, je sais pas. Tout est mystérieux. Atteindre un autre ennemi avec une explosion d'araignée. Action, protego. Incendio. Stupéfix. Stupéfix. Le défi c'est vaincre. Si Richard Schuka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Ok, je pense qu'il faut juste tirer dans les trucs. C'est bon. Easy. Faut juste tirer Ça fait penser à God of War quand tu lances ta hache dans les... Dans les cloches. Le pont se construit peu à peu les amis. Mais pour l'instant il est pas encore praticable. Mais on se rapproche. J'adore cette grotte, en tout cas il y a plein de trucs partout. Oh, quelle horreur! Je suis pas fan des araignées, hein. Franchement. Après, ma phobie, c'est plutôt les serpents, mais les araignées, déjà, je suis pas fan, je pense aux gens qui sont arachnophobes, ils doivent péter un câble dans ce niveau. Ah, purée. Petit coffre, sauf que mon inventaire est toujours plein. Non, c'est bon, c'est des pièces. Mais rien ne m'empêche de me servir ici.
Ok. Va falloir sauter, mon ami. Attends, du coup, on va retourner juste là pour voir. Ouais, c'est bon. Ok. Je sais pas encore à quoi ça sert la pierre de lune. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action. Hop là. Attends, on va essayer d'aller là. D'abord. Attends. Ouais, ici, ouais. 62 pièces. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Ouais, mais Richard Shuka, il a pas trop exploré comme nous. Hein. Je remarque. Action. Oh, le gameplay est tellement bien, en fait. C'est un truc de ouf. Action. Lumos. Ah, je voulais pas faire Lumos, mais c'est pas grave. Boum! Oh lolo! Plus qu'une et on a réussi le défi. Incendio. Croc d'araignée. Et moi, ça me brise le cœur de devoir détruire des objets plutôt que de les vendre. Ensemble nonchalant de minuit. Mais je peux pas aller direct à Préolar et revenir ici, y a pas de... Oh purée, ça va être trop chiant. Oh mon dieu, je me suis vraiment mal préparé, hein. Franchement, c'est vrai que j'avais oublié que l'inventaire est super petit, je trouve. Non mais c'est vrai, y a vraiment très peu de place en fait. J'essaie de vendre des trucs qui coûtent pas trop cher. Enfin de vendre, de détruire des trucs qui coûtent pas trop cher. Tenue de nuit vert. Par où je vais aller d'abord? Peut-être par là. Oh. Ah ouais, là c'est... Action. Non, ça va en fait. C'est stylé, j'adore cet endroit. Ça fait un peu penser comme un donjon. Hein. Revelio. Action. Tac 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 tac. Potion Vingelveld pour la santé. Le squelette sans tête en vue. Gant de Quidditch. Ok. Ah, y a un coffre là-bas. Donc à mon avis, on peut... Comment je peux me rapprocher de ça en fait? On va juste à faire ça. Action. Et m'arrêter là. Hop-lé. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé. Chapeau d'hiver en peau de mouton. Qui va mettre ça? Ouais, je crois que c'est bon. Action. Et ensuite, du coup, bah, je crois qu'on a... Je crois que j'ai tout exploré de ce côté-là. Hein. Je peux descendre. Je sais pas s'il y a des dégâts de... D'ailleurs, des dégâts de chute, mais je crois pas. Jus de Hurgloop. Ça va les petites araignées, je vous dérange pas? Ah mais c'est grand, hein, vraiment. Ah oui d'accord, là c'était la salle, ok, j'ai compris. Donc là on a fait tout le tour par là. Et je crois qu'on arrive bientôt au... au pont. Ouais, il est là. Il est presque terminé. Super. Encore des araignées. Oh. Et pourtant pas avoir de...
Leviosa. Incendio. Ouh. Action. Protégo. Incendio. Action. Là, il faut tuer 40 araignées dans le prochain défi. Waouh, c'est beaucoup. Oh, les combats sont vraiment plaisants. Oh, il y a des grosses là. Oh, il y a des grosses, des bien vénères, des bien méchantes, des bien moches. Ok. Bim. Ouh. Aïe. Waouh, waouh, waouh. Une potion. Action. Incendio. Ok, il y en a une première qui est morte. Levioso. Ah, elle s'en fout, Levioso, vraiment. Action. Non, c'était pas elle. Incendio. Des fois, c'est pas le bon ennemi qui est loqué. Mais bon. Incendio. T'aimes pas ça, hein. Oh là, les enchaînements sont magnifiques. 47 enchaînements. Ah oui. Wow. Ah, il m'a... Ok. Je sais pas si Expelliarmus ça peut être... Ça se fait contre... Même s'il ne porte pas d'armes. Ah, je pourrais le mettre sur... Expelliarmus. Ah ouais, ça fait des dégâts, hein. Action. Incendio. Au revoir, monstre. C'était un beau combat. Se sont multipliés depuis le passage de Richard Shuka. Franchement, c'était un beau combat, hein. J'ai bien aimé. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre les combats intéressants. Au tout début, vraiment, quand le jeu il avait été dévoilé, au tout début, j'avais un petit peu peur que ça soit un peu ennuyeux, tu sais, les combats à la baguette, Harry Potter, c'est bas. Je me demandais, tu sais, ça va être bizarre à faire, parce que les combats à baguette dans genre Harry Potter, tu sais, ils restent souvent sur place, ils bougent pas trop. C'est assez statique, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi... à rendre les combats... Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Ils ont réussi vraiment à rendre les combats super dynamiques, avec plein de possibilités, des combos vraiment intéressants à faire. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un délai. Trouver le symbole. J'étais trop lent. Je pense qu'il faut faire celui-là d'abord. Là c'est bon, on les a tous d'un coup. Ah, il va pas jusque là. Bim. 2. Et 3. Réparo, comme on dit. Par contre, s'il y a un petit feu de cheminette en vrai, je vais vraiment aller faire un tour après au lard. Il est magnifique le pont. Le pont est magnifique, c'est bon. Je dois Regardez. Être très loin du corps de Richard Shuka et de ses pages. Oh là là. C'est magnifique. J'adore. Ouh là là, il y a des soldats là les gars. Attendez-vous à un combat. Un On gros combat. Richard Shuka. Merci d'avoir protégé ses pages durant toutes ces années. Ah, c'est le corps. Le pauvre, c'est le corps de Richard Shuka. Il s'est pris une... Il s'est pris une grosse épée dans la tête. Plusieurs épées. Deux épées en pleine tronche, elle a décapité. Mon pauvre ami. Rebellion. On va ouvrir ce coffre aussi avant de regarder le cadavre de Shuka. Mais pourquoi je sens que je vais me faire attaquer? On est d'accord, hein. La voilà. La carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Donc c'est ça les pages qui se sont arrachées. Boum, on commence direct. Putain, en plus ça fait un one shot quoi.
Aïe, j'ai pas été assez rapide. Action, incendio, expelliarmus. Ouh. Levioso. Action. Expelliarmus devrait suffire à désarmer ses pointes. Ok. Expelliarmus. Ah oui, on lui enlève son arme en fait avec Expelliarmus, c'est trop bien. Ouh, lui c'est un gros balèze lui. Ok. Hop là, j'en envoie. Protecteur de la pancine. Il garde une pancine en fait. Ah, il a pris cher là, on est d'accord. En plus j'ai envoyé un petit Oh, il a détruit ma... Il s'en fout. Hop les... Oh, je suis bête. T'as pas kiffé, hein. Hop les... Wow, j'ai utilisé son arme contre lui. Trop bien. Ok. Je crois qu'on a fait le ménage. Oh, c'est le cadavre de Shuka. C'est bizarre. Wow. Que se passe-t-il ? Ça s'est enfoncé dans le sol. Vos emplacements d'équipement sont presque pleins. Pensez à vendre. Vous pouvez également gagner de nouveaux emplacements. Ouais, je sais. J'arrête pas d'y penser. Je le sais. I know. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il m'a dit ça alors que j'étais en train de récupérer la page de Richard Shuka, donc j'espère quand même que j'ai plus les... J'ai déjà vu ça. Gringotts. Que j'ai pu les récupérer. La réserve de la bibliothèque. Ouais, c'est exactement ça. Allez, on va regarder. Ça va ouvrir une porte. Magique. Allons-y. Waouh. C'est toujours impressionnant de rentrer dans ce genre de portail là qui t'emmène dans un autre lieu. Où suis-je ? Complètement ouf. Oh non, la salle est en train d'être inondée. Inondée ? Waouh. Ok. Qu'est-ce qui me protège ? Quelle sorte de magie est-ce donc ? Regardez, l'eau ne me... On est dans une bulle. Oh! Waouh! Oh, c'est dingue! La salle a été complètement inondée, mais nous, on a une bulle de protection autour de nous. Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Ça a l'air d'être le cas, hein. C'est beaucoup trop stylé. Je sais pas, mais c'est trop stylé. Oh mon dieu, c'est trop beau. Des tableaux ? Non ! Serait-ce possible ? Percival. C'est vous ? La salle de la carte a enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham ? Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrée à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie.
Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Vous saviez que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents. Vous recevez un point de talent à chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent de votre guide du sorcier. Oh ! Vous avez gagné des points de talent dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges. Oh mais c'est trop bien, c'est vrai que j'avais jamais pensé. Vous savez quoi, le jeu est trop bien parce qu'à aucun moment je me suis dit tiens il manque des points de talent. Mais du coup, c'est trop bien en fait. Ça permet d'augmenter votre puissance de combat, votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement, les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Et le nombre de talents acquis est donc limité. D'accord. Oh magie noire, oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est ? Sort, magie noire, cœur. Améliore votre efficacité, furtivité, salle sur demande. Si je vais dans sort. Ok. Niveau 22. Niveau 5. Qu'est-ce qu'on a ? Maîtrise d'Axio. Les ennemis à proximité d'une cible affectée par Axio sont également attirés vers vous. Ah, c'est cool ça. Ok, Levioso, tout ça. Dernier point, c'est quoi ? Maîtrise de transformation. Les ennemis touchés par le sortilège de métamorphose se transforment en objet explosif. C'est incroyable, ça. Tu transformes les ennemis en tonneaux et tu les balances sur les autres. Waouh. Magie noire. Maîtrise d'Avada Kedavra. Oh lolo. Éliminer un ennemi avec Avada Kedavra. Mais là, c'est le mal incarné, ça. Ça, c'est Doloris. Ça perd de mauvais sort. Maîtrise d'Andoloris. Toucher un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile qui maudit les ennemis à proximité. Oh, sort interdit les gars. Stupéfique, t'as le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des effets. Oh là là, j'ai trop envie d'apprendre les sorts de magie noire, mon dieu, c'est horrible. En infliger des dégâts à une cible maudite, les dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites, c'est dingue. Ok, cœur, qu'est-ce qu'on a dans cœur ? Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté. Maintenez R2 et appuyez sur dans une certaines directions pour passer un ensemble de sorts déverrouillés. D'accord. Ah, oh, c'est ultra bien ça. Ça va beaucoup plus vite. Ah, ça faut que je le prenne. Ok, j'en ai 10 disponibles, donc franchement, on va... le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés. Ok. Les parades protégo réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Ah, c'est cool ça quand même. Je vais le prendre aussi. Parce que la magie ancienne c'est très puissant. Les impacts du lancer de base réduisent le temps de chargement des sorts. Cool aussi. Le lancer de magie. Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer. Ok. Un nouvel ensemble de sorts. Ok, bah je vais. Déjà un c'est pas mal. La potion Vingelvet vous guérit davantage. Ah ouais. C'est que des trucs stylés. Maintenir esquivé permet de disparaître rapidement de la perte de proximité, mon dieu, c'est trop bien. furtivité. La capacité des ennemis à vous détecter est réduite, vous permet de courir en utilisant le sortilège de désillusion. Ouais, pour l'instant, ça... Voilà, pas forcément, quoi. Salle sur demande. Pour chaque chou mordeur de Chine lancé, un deuxième chou mordeur de Chine est généré et relâché sans aucun coup. Pas mal. La potion Eridus vous rend invulnérable et renvoie les projectiles lancés par les ennemis. D'accord. On va partir sur les sorts, les amis. Hein. Insadio crée un cercle de feu autour de vous. Ah ! Ok.
Les ennemis à proximité d'une cible, ça je prends. Axio, ils seront tous affectés. Et ça c'est pareil, mais pour les vieux sauts, je crois qu'on va partir sur la magie noire, les amis, je vous dis direct. En infligeant des dégâts, je pense pas qu'il y a de... J'espère pas que ça va influencer genre mon personnage si, si j'apprends des sorts de magie noire. Stupéfixe a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Je crois que je vais apprendre les trois derniers là. Hein. Franchement je sais pas, mais Avada Kedavra c'est genre mythique, tu vois. Tout le monde genre, tout le monde sait que c'est interdit, mais tout le monde a genre un peu envie, tu vois, de le lancer. Une fois, tu vois. Ah là là, c'est trop bien. Trop bien les talents. Trop bien, trop bien. Ok. Quitté. Donc faudra revenir avec le livre. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Sortir de la salle de la carte. Oh, emplacement de flamme de cheminette. Très bien. Sortir de la salle. On y va, on y va, on y va. Donc c'est bien parce qu'il y a une petite truc de cheminette juste en bas maintenant. Je pourrais y aller sans problème. Ah, je peux toujours pas les ouvrir ces trucs là. Hein. Je sais pas comment on fait. Ces coffres avec des yeux là. Incendio. Waouh. J'ai allumé les deux poteaux, mais je sais pas ce que. Je sais pas ce que ça change, hein. Rien du tout, je crois. Putain, mais par où on va sortir? Me dis pas qu'on est dans Poudlard. Ça serait totalement dingue. Je sais pas, je vois les pierres comme ça, on dirait Poudlard. Je suis revenu à Poudlard. Oh, vraiment? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. Les gars, on est à Poudlard. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Quête terminée, le repos de Richard Shuka. Des amis, c'était extrêmement stylé. On a pris de l'ISP. On est donc niveau 15. Mais on est où là en fait? Je vais aller. Je pense que je vais aller faire un tour vite fait après Olar. Et après on revient ici pour terminer. Du coup c'est bon les amis, j'ai tout vendu. Je remarque qu'il y a pas mal d'équipements avec des bonnes stats. Genre ça, défense 40. Celui-là même 41. Du coup si je regarde un peu, je pense que j'ai beaucoup d'argent. Donc 5200. Donc je pense que je vais un petit peu dépenser de l'argent. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Toc, donc je vais acheter celui-là. Vous ne le regretterez pas. Lunettes. C'est la promesse Gachifon. 42, donc je pense que je vais prendre ces lunettes là aussi. De toute façon on s'en fout du style, c'est ça qui est bien. Tac. Tenue resplendissante. Ça c'est une cape. Elle est pas mal ça, l'ensemble mystique pourpre. Le style est pas mal en fait. J'ai juste envie de l'acheter rien que pour ça. 38. 40. Je vais acheter celui-là, mais juste pour le style en fait, même s'il est moins fort. Vous ne le regretterez pas, c'est la promesse Gachifon. Et je vais prendre le chapeau à 39 aussi. Bam. Vous ne le regretterez pas, voilà. C'est la promesse Gachifon. Gachifon. Ouh. Donc, c'est bien parce qu'on va pouvoir se... s'équiper de trucs stylés. Tac, donc on a les lunettes. On passe de 29 à 42. On prend 13. Ouais, par contre, juste... Waouh. Waouh, hein, c'est chaud quand même. Hein. Voilà. Le chapeau. On va prendre pareil. Oh, magnifique comme ça, un vrai sorcier. Retire-moi ça, s'il te plaît, merci. L'écharpe, j'avais pas mieux. Tenue. Ok. Ensemble. Attends, faut que j'enlève la... Faut que j'enlève la...
ça là. Tac. Pas des barres, on dirait un soldat le mec. On dirait un peu l'habit de Cédric Di... comment il s'appelle? Pas Cédric Diggory, vous savez, l'autre là, pendant le tournoi des quatre maisons là. Pendant la coupe, il y en a un qui arrive comme ça là. Des barres. Je sais plus que d'où il sort. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je m'en souviens plus. Comment on va s'habiller? C'est trop classique tout ça. Je vous dis la vérité, ça c'est pas mal. On dirait un peu un préfet. En fait c'est... Ouais, je vais mettre comme ça, et après en mode... Attends. Ouais, donc comme ça. Et là... C'est pas avec une cape comme ça. Enfin, un peu super-héros par contre. Ok. J'ai envie de mettre ça. C'est pas mal, non? Ça fait un peu dark quand même, hein, mais bon. Ça, c'est pas mal comme ça. J'aime bien le style. Ouais, c'est un peu... J'avoue, c'est un peu sombre, j'avoue. Mais bon. J'aime bien. Ok. On retourne où on était. On avait des défis aussi qu'on a fait. Stockage d'équipement accru. Oh, j'aurais pu le prendre. Hop là, réussir deux épreuves de Merlin. Super, j'aurais pu aller cliquer là depuis un moment en fait, c'est ça? Et ça l'a augmenté de combien? C'est ça que je me demande. Résistance au pouvoir des gobelins. Ok, protection amphibienne. Obtenir récompense. Ah bah oui, on a celle-ci. Hop, équipement. Je voulais voir la tête qu'elle avait. C'est une cape je crois. Elle est là. Ah ouais, mais je suis pas un dragon moi. C'est un peu trop... C'est trop pour moi, je vous le dis, je peux pas mettre ça. Ça va pas être possible. Mais là j'aime bien celle-ci là, le style comme ça là j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. A priori, il me reste un autre défi à choper, combat. Ah, c'est là, j'avais pas vu. Wow, mais ça c'est une armure carrément. Ok, je crois que c'est bon là. Ouais. Du coup... Attends, c'est quoi l'armure? Je veux juste voir la tronche que ça, parce que franchement, c'est... Non mais des barres, mais qui va s'habiller comme ça? C'est une armure les gars, vraiment. Non mais c'est marrant qu'ils aient laissé la possibilité de s'habiller comme un chevalier des temps anciens. 4 emplacements débloqués. Eh bah ça fait plaisir. On retourne vite fait là où on était. Et on va terminer l'épisode là-dessus. En fait vous avez vu maintenant sur la carte, il y a ça là-haut là. Regardez, en fait tu vas là. Pièce secrète. Donc là c'est la salle sur demande et la salle sur la carte. Donc comme ça on peut y aller directement. Voilà, on est de retour ici. Je sais pas si ce coffre j'avais pu le fouiller. Non du coup, voilà. Bon c'est pas un truc de fou mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rebellion. Ah j'aurais pensé que dans les talents on pouvait tu sais genre Ah je peux pas y aller. Je pensais qu'on pouvait peut-être. Ça c'est pareil, je sais pas c'est quoi ces trucs. Il y a des serrures. Je pensais que c'était dans les talents qu'on pouvait obtenir des niveaux de serrurerie, mais visiblement pas encore. Bloqué. Bonjour. Rebellion. J'entends un petit cling, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas où il est. Allez, on remonte. Encore ce fameux coffre là. Waouh, j'adore être dans les bas-fonds de Poudlard, c'est trop bien. Où est-ce que je suis? Je sais pas du tout où je suis.
Oh, carrément une salle entière fermée. C'était quoi ce bruit? C'est joli. Ok les amis, et bah écoutez, on va regarder les quêtes et on va terminer là-dessus. Donc quête, cours de vol, le prochain épisode les amis. Apparemment, on va apprendre à voler sur un balai. Et j'ai extrêmement hâte de voir ça. On a aussi un devoir du professeur Sharp pour apprendre Repulso. Ok. Et il y a quelques quêtes secondaires qu'on fera probablement dans, pour les membres du club 117 si ça vous intéresse. Vous pouvez rejoindre la chaîne. On s'arrête donc ici les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était très cool dans la forêt interdite. J'espère que ça vous a plu. Et à dès demain pour la suite des aventures. Ciao.